Ok, yop tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors, on se retrouve pour l'épisode numéro 9, je crois déjà, putain. En fait, on se retrouve juste après l'épisode 8 parce qu'en fait, j'ai réussi à faire un échange, donc 17 émeraudes pour un livre efficacité 5. Donc, je pourrais mettre sur, je sais pas moi, ma pioche, je pense. Donc, c'est super cool. Là, on a aussi repoussoir 1, donc pour l'instant ça me sert à que dalle, clairement, parce que bon, ouais, en fait ça nous servira à que dalle toute la survie. Donc pour 17 émeraudes et un bouquin, donc là j'ai 3 bouquins et 19 émeraudes, donc on va pouvoir en acheter un. Voilà, tout simplement. Et donc là, on a un efficacité 5, donc efficacité 5 et raccommodage. Tranquillement en train de farmer et en fait je vais bientôt finir la quête du blé. D'ailleurs j'ai eu au passage le prix world, donc c'est pour ça que j'ai eu 5000 de monnaie entre temps. Ah bah voilà. Oh et les gars, attends, je vous reprends parce que regarde, ton île a atteint le niveau 3, je suis trop content. Donc ça nous fait 200 de monnaie et 5 Xland cristal. Ça c'est le meilleur. Les gars, j'ai pété un coup, un plomb. Ça fait 3 fois que j'essaye de faire mon truc. J'ai trop le seum. Mais non, mais les gars, j'ai trop le seum. Et j'ai fait un truc incroyable avec vous, il est juste derrière moi, je vais pas vous spoil. Et les 3 fois, ça les a pas enregistrés, j'ai trop le seum. Regardez-moi ça. J'ai acheté plein de minerais, regardez, vous pouvez voir. Value 24, top deal 125. Donc on a grave monté. Et regardez comment c'est beau, mais j'ai trop le seum. Je l'avais fait avec vous, 3 fois, je l'ai refait. Et j'en peux plus, à chaque fois il le refait. Bon, on va quand même s'acheter un minerai ensemble, parce que bon, voilà, j'ai fait attention, il me reste encore un peu d'argent. On va s'acheter un minerai genre de un bloc d'or. On va s'en acheter deux. Parce qu'en vrai ça coûte pas trop cher. Mais vraiment j'ai trop le seum. J'ai trop le seum. Donc on a acheté un minerai de diamant, trois minerais d'émeraude, deux minerais de fer, un minerai de redstone et deux minerais de lapis lazuli. C'est trop bien, c'est trop beau, j'adore ça. Ok, re tout le monde. Et j'ai réfléchi un petit peu, on va faire donc deux choses plutôt importantes. Ouais, donc d'abord on va déplacer la ferme à cactus parce que en fait je l'ai vraiment raté, je l'ai fait au pire endroit, vraiment. Voilà, donc en fait on va la décaler à un endroit où on va pouvoir la faire beaucoup plus grande, un endroit où ça va pas se voir. Ça va être beaucoup mieux et elle sera bien 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 plus grande. Juste avant, donc j'ai trouvé une technique pour tout simplement faire de la bonne mine illimitée. Tiens là. Donc là en gros on va récupérer donc tout le mécanisme et tout et tout. Ici on va mettre le composteur où il y a tout qui va tomber dedans. Hop. Donc juste là on aura le tonneau. Donc je vais vous montrer. Ici, bah déjà on peut direct préparer nos trucs. Hop, on va prendre donc tout ce qu'on n'aura pas besoin. Donc tout ça. Voilà. Bah vous savez ce qu'on va faire? On va directement aller casser la machine. Après on va laisser le reste. Donc là hop, voilà. Et là on va faire ça, hop, comme ça. Et donc normalement, vous voyez, là ça se vide. Et donc normalement là ça quand il va être rempli. Donc on va tout d'abord mettre le petit tonneau ici. Merde. Ouais. Le petit tonneau ici. Ensuite on va mettre, non pas des dalles, oh c'est pas possible, un entonnoir là comme ceci, juste au dessus on va mettre le composteur, hop hop, voilà le composteur. Ensuite juste au dessus non, un entonnoir et donc juste au dessus le tonneau. Donc normalement là si je mets ça dedans, on a bien entendu, vous voyez tout, voilà. Et donc normalement voilà, ça crée
de la poudre d'os. Alors, ça en crée pas en masse, mais ça en crée un petit peu. Donc là, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on va faire. Donc on va prendre tous nos blocs, on va monter, tiens, là. Voilà, on va monter très haut. Voilà, là, on a eu un demi-stack, je pense que c'est pas mal. Donc là, je vais vous montrer, en gros, on va faire une toute petite plateforme. Là, donc on va faire un slash set home. Et on va appeler ça cactus. Vous allez créer un nouveau home du nom de cactus. Pierre des abîmes. Donc là, je peux en acheter 9 stacks pour tout ça. Est-ce qu'on aura besoin de 9 stacks? Je sais pas. Donc j'en ai acheté, allez, 5 stacks. Voilà. Donc ici, là, on va devoir commencer à se faire quelques petits endroits. Et c'est pour ça que je vais faire le home shop. Parce que je vais aller tout simplement juste au-dessus pour aller chercher tout mon matériel. On va retourner ici. Donc, après avoir fait ça, je vais poser un petit truc juste là. Comme si, ensuite, on va mettre un petit tonneau juste là. Puis, on va remettre un petit entonnoir ici. Donc, juste là. On va donc remettre un entonnoir. Et donc, juste ici, juste au-dessus, là. Attendez. Hop, et ben, on va mettre un entonnoir. Et donc là, genre, on va se faire full dalle, comme ça. On va bien le placer là. Donc là, notre mécanisme, il est fait. Ça, c'est très très bien. Et donc, on va commencer à faire tout simplement un petit truc tout autour. Donc là, en fait, il va falloir qu'on arrive à faire un mécanisme pour que tout glisse ici. Donc pour ça, rien de très compliqué. Ok, donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je vous le dis, donc on va juste faire. Donc là, en gros, ce sera la fin de la ferme. Et donc là, tout là, il y aura la ferme. Vous allez voir. Donc là, normalement, il n'y a pas de problème. Donc imaginons, là, jette un bloc. Ok, il glisse. Il a été aspiré. Et donc normalement, je vais le retrouver dans mon four. Voilà. Ça marche, mais c'est parfait, ça. Donc, faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc là, donc ici. On va reprendre des blocs. Putain, j'en ai presque plus là. Ici, vous allez mettre donc toute une rangée et j'en aurai pas assez. Deux blocs. Vous pouvez aussi placer des blocs. Vous allez donc partir d'ici et donc vous allez devoir faire 8. Comme ça. Deux. Donc attendez. Donc ici, là, ça va être le dernier bloc. Ok, d'accord. Donc lui, il faut le compter. D'accord. 1, 2, 3. Et 8. Donc là, faut bien faire 8. Mais après les gars, va falloir faire 7. D'accord. Après ça, va falloir faire 7. Je viens de mourir de chute. Un putain de bloc. Pourquoi là, j'ai que le jour 13 et le jour 14. D'accord, j'avais réussi à récupérer. On va récupérer le jour 13, on va récupérer quoi? Un crâne de Wither Squelette. Et vous savez quoi? Attends, est-ce que ça me rajoute... Je vais finir la vidéo avec un crâne de Wither Squelette. Donc voilà, donc tout ça là, tout ce que je viens de faire, va falloir donc le remplir. Ensuite, vous allez venir avec des blocs. Je vais juste récupérer lui. Je sais pas si je l'ai récupéré. On va donc venir avec des blocs placés donc à toute la longueur. Donc voilà. Ensuite, donc là,
c'est là que ça va devenir un peu chaud. Donc vous allez reprendre vos blocs. C'est très important de prendre des blocs. Alors attendez, juste vous pouvez prendre juste une dalle pour faire juste. Ah ben non, en fait non, non pas même pas, même pas besoin. Vous faites ça. Donc là ça va être ultra important. Vous allez devoir prendre des blocs, faire comme ça. Donc juste là comme ça, tout là. Alors, je suis vraiment pas sûre de moi pour cet endroit-là. Mais bon. Ensuite, vous allez venir placer deux blocs comme ça. Voilà, pour bien câbler l'eau. Donc là, il y aura de l'eau. Et donc là, en comptant celui-là, vous allez devoir faire 7 blocs. Vous voyez, c'est pas facile à faire, donc voilà. Donc là, j'ai posé la source d'eau juste au milieu. Normalement, si mes calculs sont bons, ça tombe ici et ça tombe ici. Voilà, let's go. Mes calculs ont été bons, et donc maintenant, il faudra mettre de l'eau, donc tout là, là, là. Enfin, sur tout votre truc, donc voilà. Et donc là, bah, ça va pile poil là-bas. C'est parfait, c'est parfait, c'est clean, c'est carré, c'est tout good. Donc là, les gars, allez, comme on est des gros malades, on va refaire un de plus. Enfin, on va refaire un ou deux de plus, je sais pas trop. Ouais, donc pour ceux qui n'ont pas compris, donc en fait vous devez faire donc 8 blocs pour le premier, pour la première plateforme, pour bien que ça tombe. Et après vous faites 7 blocs et donc vous faites en fonction de la longueur de votre ferme, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Et donc moi du coup j'ai fait encore deux plateformes en plus. Voilà. Ça. Ça. Et donc là si je prends le sable. Voilà, je peux le poser dessus. Donc là, c'est parfait. Donc maintenant, on va remonter à cet étage. Et donc là, on va devoir faire full dalle. Mais vraiment full dalle. Pour donc remplir toute la plateforme. Ça va être un petit peu long. C'est le truc un peu chiant à faire dans cette ferme. C'est les dalles en fait. C'est trop bizarre. Et j'ai une petite tête de Wither squelette sur moi. Mais donc on se retrouve pour la dernière ligne. Voilà. Enfin, j'ai tout fini. C'était le truc le plus long, je pense, qu'on va devoir faire. Donc au moins c'est fait. Je suis content. Je suis content. J'ai posé donc tout le sable que je peux poser. Voilà. Je vais pas pouvoir en poser beaucoup. Hein. Et après, donc on va poser tout le cactus que je peux et on va pas poser de barrière, voilà. On va pas poser de barrière tout de suite. Je vais vous expliquer tout simplement pourquoi. Tout simplement parce qu'en fait j'ai envie déjà qu'ils attendent de pousser avant de placer des barrières. Et là, la ferme sera automatique. Et fiable. Ok, donc je reviens vous expliquer. Donc tout simplement, moi j'avais pas assez de sable et pas assez de cactus, mais donc vous devez prendre du sable, les mettre sur les dalles, et ensuite mettre le cactus sur les dalles, puis ensuite mettre des barrières à côté des cactus. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre des barrières à chaque fois, donc simplement il faut en mettre par exemple une fois sur deux, mais en fait il faut faire en sorte que si le cactus pousse, et bien tout simplement le truc va se casser. Il faut vraiment qu'il y ait une barrière à chaque fois au-dessus de la pousse. Voilà, tout simplement. Et pas dessus, hein, parce que moi j'avais déjà fait cette erreur. Voilà, et sur ce, je vous laisse avec la fin de la vidéo. Je vais casser donc toute la machine. Bah c'est bon, normalement on va pouvoir la récupérer. Voilà. Banque 12 500.
Et donc c'est parti pour faire un slash sell all. Je vais voir combien on va gagner. Sell all. 1500 de monnaie. Ça va. Donc voilà, sur ce, moi j'espère vraiment que cette petite vidéo vous a plu. Et donc nous, on se dit à bientôt pour donc l'épisode 10. Non, pour de prochaines vidéos et de prochains lives. Allez, ciao ciao tout le monde. Je vous adore.